Dame Yuko, tout se passe comme prévu. En ce lieu sombre, où nul vivant ne s'aventure, que le banquier des fantômes commence. Je viens d'attraper une fée des glaces juste pour toi. Ah, salut Marissa. Vraiment, ces fées deviennent incontrôlables si on n'y prête pas attention. Tu veux pas vite fermer? On se gèle. Mais ouvre les yeux! C'est le printemps et pourtant il neige dehors! Sans parler des fées de l'hiver et des yokai! Tu ne veux juste pas le reconnaître! Ce n'est pas naturel! Il paraît que cette année, le printemps aura un peu de retard. Oh! C'est forcément un yokai le responsable de cette histoire! Trouve une solution! Après tout, c'est pas le boulot des Miko de traquer les yokai! Ah, très bien! Si c'est comme ça, je m'en vais régler ce problème toute seule! Et après, épargne-moi ton sourire net et... Oh, je suis désolée, en fait, c'est des yokai de raison! Idiot! Bien beau de partir comme ça sur un coup de tête, mais je sais même pas par où commencer. Faut que je rassemble des infos. Oh, voilà quelqu'un qui pourrait sans doute me renseigner. Hein? Mais c'est... Eh bien, tu m'as l'air bien déterminé. Oh. Oh. La journaliste.
pas possible. Cet endroit est le royaume des morts, le lieu où les âmes reposent en paix. Humaine animée par le souffle de la vie, à toi de retourner dans ton monde. Ne fais pas semblant, la fille fantôme! Je suis au courant de tout votre petit manège! Allez, rendez-nous le printemps! Et si tu veux te battre, ne te gêne pas! Personnellement, j'adore employer la force! Je n'arrive pas à croire qu'un humain puisse dire une chose pareille. Tu n'es certainement pas la Mikoda Kurei. Pour qui te prends-tu à la fin? Je suis Marisa Kirisame, une magicienne ordinaire! Une telle puissance chez une simple humaine. Je n'arrive pas à y croire. Pardon, Dame Yuko. Ouh. Allez, crache le morceau maintenant. Tu vas me dire où se cache le responsable, oui? Pas la peine. Finalement, tu peux rester dormir tranquille. Ça alors? Mais tu n'es pas la Miko du sanctuaire à Kolei? Arrêtez un peu avec ça! Vous me fatiguez! Je me permets de rentrer. Bonjour, vous n'êtes pas encore parti? Mais pourquoi est-ce que personne ne passe par l'entrée principale dans ce temple? V'là la domestique du manoir des vampires. Tu es seule aujourd'hui? Madame ne désire pas sortir à cause du froid. Elle m'a juste confié un message à vous transmettre. Elle vous demande jusqu'à quand comptez-vous laisser les yokai agiter et semer la pagaille. C'est pas vos oignons! Bon, je vois. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais... De quoi? C'est le rôle des Miko comme vous de préserver l'équilibre de Gensokyo. Ouais, c'est pas totalement faux. Mais cet équilibre va bientôt se rompre. Je suis la seule à pouvoir en décider. Je n'en doute pas. J'ai fait juste passer le message. La magicienne en noir et blanc est déjà partie vers le monde des morts. Qui sait si les gens qui y meurent peuvent y trouver le repos éternel? Le spectre! J'en ai marre de ne pas pouvoir profiter des fleurs là d'où je viens! Soit tu nous rends le printemps maintenant, soit je te batte les fesses d'abord! Fais ton choix! Veux-tu rester ici et devenir un fantôme? Ou bien devenir un fantôme et terminer ici? Je te laisse faire ton choix. C'est pas comme si je pouvais vraiment choisir. Tu vois ce grand cerisier là-bas? C'est le Saigyo Ayakashi. Il n'est pas encore en fleur, malheureusement. Il lui faut plus de printemps. Cause toujours, tu m'intéresses. Quel dommage. Je crois que c'est la fin de l'histoire. Oh. C'est vraiment trop beau. Leimu! Mais qu'est-ce que tu... On parlera plus tard. Allons, allons, venez. Oh, bordel! Master Spark! Ah!
Il attendait. Gloria. J'ai été un peu négligente. Tout est bien, qui finit bien, pas vrai? Ah, mais bon, on peut dire que le jeu en valait la chandelle. C'est bien ça qui m'énerve. À chaque fois qu'un incident est résolu, tous les Yukas se rassemblent pour faire la fête. Et alors? C'est marrant! Même les coupables sont venus. Allons, considère ça comme des excuses. Nous avons même apporté des victuailles. Oh. Oh. Ah, ça va faire fuir tous les fidèles du temple, ça. En plus, après ça, c'est moi qui me tape tout le nettoyage. Voilà pourquoi j'aime pas résoudre les problèmes. Attends un peu! Ne me dis pas que c'est pour cette raison débile! Hey, Leimu, je crois que t'as oublié de me dire quelque chose, là, tu crois pas? Oui, tu avais raison, Marissa, c'était du sérieux, c'est ça, j'avais tort, vraiment toutes mes excuses. Et elle est où, ta bonne volonté? Hein, quoi? Tu es Miko, mais tu te fiches de résoudre les problèmes de yokai, c'est pour ça que personne ne vient à ton sanctuaire. Pourtant, et cet incident a été bel et bien résolu. Et d'abord, tu t'impliques pas, et ensuite, tu me voles la vedette. On dirait bien que Reimu a finalement résolu cet incident. Il semblerait, oui. C'est étrange, d'une certaine façon, je m'y attendais. Oh. Même si tu n'avais pas fait de détour par chez elle en allant en commission, Sakuya. Oh. Tout ça se serait terminé de la même façon. Vous avez sans doute raison. Fais-moi penser à te punir quand on rentrera tous au manoir. Ce qui vous plaira. Comment ça? Si je n'étais pas venue, tu ne serais sans doute pas là pour te plaindre. Et là, maintenant, t'as pas quelque chose à me dire? Bon boulot. Hein? Sinon, bien joué, je trouve que c'est pas mal aussi. Mais c'est quoi cette arrogance? Hein? Mais c'est à moi! Eh oh! Dame Yuko! Tiens donc! Hein? Il n'y avait pas des gens avec vous à l'instant? Tu
Tu arrives pile au bon moment. Ça va être amusant, tu vas voir. De quoi parlez-vous? Le cerisier ne va pas fleurir finalement. Le cerisier? C'est Gyo Ayakashi. Ah, j'en ai assez de tout ça. J'aurais aimé le voir fleurir, mais... Pardonnez-moi, je ne pensais pas qu'une humaine... Ne t'en fais pas. Au final, je me suis bien amusée. Et puis l'ami Kudakurei n'a même pas fait attention. J'ai un peu de mal à vous suivre, mais... Excusez-moi. J'ai essayé, mais... Ça me va bien ou pas ?